tous les représentants et les membres du gouvernement ne peuvent pas entendre et bien moins comprendre. Casés depuis toujours, perchés comme des vautours, ils n'ont jamais perçu le goût de la rue. De la Président, good morning. Good morning Jean-Jacques, oui, j'ai décidé comme le gouvernement de mettre désormais de l'anglais partout. Par exemple, hier, 140 dirigeants, des grands patrons étaient conviés à Versailles. Et comment a été baptisé ce sommet, ou plutôt ce summit? Choose France. Choisissez la France. Choose France. Choose France. Choose France. Choose France. Choose France. Choose France, leur dit le président de la République. Voilà, choose France ou choose France, hein, vous choisissez votre accent. Mais après le One Planet Summit du mois de décembre, on continue à mettre de l'anglais partout. Alors je vais vous décevoir, pas d'image, pas de son du discours, ou plutôt du speech d'Emmanuel Macron hier soir à Versailles. Il faut croire que les grands dirigeants sont pudiques. Pas d'image non plus des rencontres, ou plutôt du speed dating, hein, c'est le terme utilisé entre les ministres et les grands patrons, les leaders de ce monde, comme on dit. Mais pas de besoin de parcourir des milliers de kilomètres hier pour entendre parler anglais. En effet, à Paris, le Premier ministre participait de son côté au Youth and Leaders Summit, c'était à Sciences Po. Et là encore, 20 minutes d'Edouard Philippe en anglais. I can think of nothing that is more invigorating. Such concentration of wealth undermines, or it can be disheartened. Comme en français, vous l'entendez buter sur certains mots, mais il a une technique. Quand il a un trou, pas de souci, il glisse des mots en français au milieu de la phrase. Any idea of how they could rebondir? How do you say rebondir? Bounce back. The president of the French Republic called for a revitalisation of multilatéralisme. Voilà, c'est toujours plus simple en français, on tombe sur ses pieds. L'essentiel hier, c'était le message envoyé par le gouvernement. La France est de retour, ou plutôt France is back. Tous les représentants et les membres du gouvernement ne peuvent pas entendre et bien moins comprendre. Casés depuis toujours, perchés comme des vautours, ils n'ont jamais perçu le goût de la rue. De la rue.